Ici Vanguard.net. 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 Les repas tiennent, mais les serviteurs, les restaurants ont tué les mets traditionnels. Avant, pour qu'une fille aille en mariage, il fallait qu'elle sache trier les 12 condiments d'une cuit et qu'elle sache faire le cuit. Et ce n'est pas aujourd'hui où vous mettez un nom dessus. C'était dans une calebasse qu'on conservait les condiments. Donc, elle verse par terre. Ceci, elle va prendre. Ceci, elle va prendre. C'est comme ça que ça fait le bon cuit. Et nommé reste nommé. Ça a dépassé le cadre de la tradition. Le tarot. Ceux qui mangent le tarot ne sont plus les Américains. Le cuit même. Les gens ont peur de manger le cuit parce que c'est gluant. Les mamans qui ont accouché, elles ne peuvent pas se baisser parce que le ventre n'est pas encore en position. On la met assise comme ça, on lui met une feuille en main, on coupe le cuit, on coupe, quand on coupe, on scinde en petits morceaux, elle ne fait que comme ça, ça descend. C'est pareil, celui qui n'a jamais mangé le cuit, si tu lui donnes une tasse, et tu mets son cuit découpé dedans, il te réclamera le cuit. Donc, ces mets sont restés intacts. Mais les préparateurs sont en train de partir. Et il faudrait que nos enfants apprennent à faire le cuit. Que nos filles, avant d'aller en mariage, sachent faire le cuit et le tarot. Parce que le spaghetti, tout le monde le fait. Même au restaurant, tu le manges. Aujourd'hui, il y a aussi des restaurants où on mange le tarot et le cuit, mais ça ne vaut pas ce que tu manges à la maison. Et le cuit était la nourriture pour voir l'enfant. Parce qu'on fait plusieurs boules, quelle que soit la quantité de gens qui sont là, le nombre de gens qui sont là, ils vont trouver à manger. Le tarot était la nourriture des notables. Aujourd'hui, on le mange, il y a des gens qui le mangent à la cuillère, mais on ne mange pas le tarot à la cuillère. Celui qui connaît le tarot, il mange, il lave les mains, il mange le tarot. Et mangeant le tarot, il ne le mange même pas n'importe comment. C'est un plat respectueux. On dit que c'est pour les notables. Donc quand tu vas à la société, c'est que le blanc appelait secrète et qui n'est pas secrète. Même aujourd'hui, une réunion comme la vôtre est une réunion secrète pour un non-initié. Donc, il faut que nous revenions sur nos mets dans les réunions d'élite où je vais, le tarh qu'on appelle tenue militaire, il n'en reste pas. Tout le monde mange. Le saptar, qui est le gâteau de maïs frais aux légumes. Mais les gens raffolent. Pourquoi pensons-nous que notre nourriture n'est pas bonne? Rien que le tapse banana, c'est devenu un plat camerounais. Mais avant, on triait ceux qui mangeaient le tapse banana. Le malaxé, de banane. Donc, revenons à notre nourriture. Apprenons à le faire, conservons-le. Faisons même des concours
de préparation. C'est ça que les autres font. Quand les cuisiniers se rencontrent, ils font des concours. Faisons des concours où on prépare. Regroupons les enfants. Enseignons-leur comment on fait. Ici, Bangwa.net. Ici, Bangwa.net. Ici, Bangwa.net. J'invite donc mes frères à ce qu'on soit ensemble pour construire Bangwa dans la vérité et non dans la fourberie. Merci.